Salut à tous, c'est Sorator pour une nouvelle tentative sur le vilain boss du premier château, Godric le Greffé, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Depuis la dernière fois, j'ai un nouveau spell qu'on va utiliser, la boule de feu noir. Après, en nouveauté, j'ai aussi ça qui pourrait peut-être me permettre de faire du saignement, je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Je pense pas réussir, mais c'est histoire de se remettre dans le bain, donc on se retrouve quand ça passera, n'est-ce pas? Pour eux, j'ai vu Atomium, il a genre des fioles plus 5. Et il a 4 fois plus de PV, c'est normal ou pas? Pourquoi j'ai l'impression de faire le jeu en mode difficile? Ça, je me rappelle plus des patterns. Si, je me rappelle un peu. Ah! Je me rappelle très très bien. LOL et non! Oh, j'avais oublié qu'il y avait un. Putain, j'ai plus les patterns, c'est une scène. Ah, doubidou. Doubidou. Ça m'énerve de galérer à esquiver ces putains de petites tornades là. Calme-toi, Michel. On va se passer. Oui, il fait nuit en plus. On voit moins bien. Ça triche. Ne m'ogolise pas. Nya! Toi la main, fils de prout. Il a exploré, il était OP, ouais ben. On se regarde la cinématique. Même si nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Mais du coup il joue en mode facile lui. Il pouvait tanker 500 coups, moi je peux en prendre 3. Le troisième est fatal. Truest of dragons. J'ai peur. Lend me thy strength. Dégueulasse. Le problème, c'est que je connais pas le, le lance-flamme. Je sais pas où tirer. Faut que je me place pour l'éviter, j'en sais rien. I'm a little scared. What are you doing? What the fuck, man? Non, pourquoi t'as continué à rouler? C'était avant qu'il fallait rouler. Non, mais. Je sais pas, les flammes, c'est quoi ça là? Suce tes boules! J'ai envie de lui faire un fuck! C'est quoi au solo? Comment tu sais pas me placer, là? Le problème, c'est que j'ai pas de mana, j'ai pas de vie, c'est. C'est calme. STP respire! Respire! Qui est parti dans le vent encore, c'est insane. Elle va pas disparaître là. On tente, on tente.
Vas-y, crie, crie, crie. Ça va. Changer de coup carrément, Guillaume. T'as un 4G ou t'as un autre truc? Bon, est-ce que la méduse est restée? La méduse est restée. Putain, je prends tellement cher. Elle aussi, elle prend cher. Qu'est-ce qu'il fait? Plus la L, s'il te plaît. Elle, pas moi. Non. Non. Je sais pas ce qui se passe. Bonsoir. La méduse. Elle se fait déglinguer. Elle a servi à rien. J'ai encore paniqué, je panique. Tiens-le ton point draconique. Putain. J'ai esquivé n'importe comment, ça passe. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus voir du feu là? Bah oui, bah bien sûr. Toujours plus en Michel. Putain. Je suis super bien placé, c'est bien ça. Non. Non. Non, 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 non. C'est vraiment une grosse pute. Pardon. What? On se calme. Saloperie. La puissance du pâtard unique. Pire arme du game. Ils y ont fait. Ouais, d'accord. C'est même. Pourquoi il y a un passage au jeu? Ma magie fait mal, certes. Mais mon perso est une petite morue au corps à corps. C'est insane, quoi. Je me fais déglinguer, quoi. Là, pour l'instant, Nathan, j'ai un sort de foudre, il est nul. Hein. Il est très gourmand et il fait à peine plus de dégâts que mon sort de feu, qui est deux fois moins gourmand, donc je suis un peu déçu. C'est parce que je suis là, mais oui. Mon sort, je l'aime. Bon, alors. Les runes magiques obtenues en éliminant des porteurs de fragments ont perdu leur pouvoir original. Tout vous pouvez le restaurer au sein des tours divines disséminées dans l'empire. Terre. Ok. Mais ça sert à quoi? Souvenir du greffé. Il m'a donné combien? S'il m'a donné moins de 5000, c'est de l'arnaque. Hein. Oh. Ok. Du coup, alors attends. Ça, il m'a donné 20 000, le petit saligo. Il me faut de l'esprit pour lancer mes spells. Mais. Il faut de l'endurance pour lancer des spells aussi. Et pour esquiver. Et pouvoir équiper peut-être une armure, un chouïa moins naze. L'ésotérisme si je veux passer en magie draconique. Mais ça, c'est pour plus tard. La vigueur pour arrêter de crever comme une merde. Ou la foi pour augmenter l'efficacité de mon patard unique naze. Je pense que 15 ans d'endurance, déjà, c'est une base. Voilà, on va rester là-dessus. Et on va cramer... ouais, 400, on va cramer les petits objets. Mais de la vie. Pourquoi faire de la vie? Regarde, j'ai pas eu besoin de vie. Hein. Et puis on est pas sur LOL. Tac, tac, tac. Après, normalement, je me rappelle que dans Dark Souls, tu avais un sort pour te remettre de la vie petit à petit. Ça, déjà, ce serait un atout intéressant. Mais il faut que j'ai le spell. Pour pouvoir avoir de la régène. Un deuxième. Hop.
Mais ouais, la vitalité, faut que je monte un petit peu de temps en temps aussi. Mais il me faut de l'esprit. Hop, hop. Voilà. Plus de magie, plus d'efficacité, plus de DPS, plus de soins, plus de tout ça. Sasso, t'as vu la photo que je t'ai envoyée ce matin? Je sais pas, ce matin j'étais dehors, donc j'ai regardé les trucs, je sais plus. Arrondi à 20, quoi. Écoutez, je tente des choses. Je sais plus, t'as envoyé ça en privé ou sur Discord, je me rappelle plus. Ah si, 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 mais bon, il faut 20... Oui, c'est un espadon. Jamais mon perso il porte un espadon. Il faut 20 en force, 22 en dextérité, et... Par contre, je vois pas en fois si c'est 20. 20 force, 22 dextérité, Ouais. La fois, je vois pas, la photo, elle est un peu floue. Mais oui, j'ai vu. Mais un espadon, mon perso, jamais porte ça. Surtout que je garde en tête la magie draconique et il me faut de l'ésotérisme. Donc c'est un peu chiant. Natas, tu t'es renseigné sur la magie draconique ou pas, Natas? Parce que j'aimerais peut-être basculer là-dessus à terme, mais je ne sais pas s'il y a des armes, ésotérisme. J'ai pas une seule magie draconique, donc... Bref. Je voulais regarder quand même ce que j'ai looté. Ça, là, le souvenir de Jean-Michel, c'est quoi ça? Permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Alors j'imagine qu'on connaît le PNJ, mais... Et la ruine, elle est où? Elle est pas ici. Je sais pas où ça va, la ruine. Faut lire la description. Attends, comment on fait? Je sais pas. Restituez-lui son pouvoir à la tour divine de Nécrolimbe. De l'autre côté du grand pont du château, ne voit l'orage. Est-ce que ce serait pas par hasard? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils appellent de l'autre côté? Enfin, en fait, c'est un peu vague. Ben, je pense, non? Est-ce que je peux y aller? J'en sais rien. Bon, on va essayer un petit peu. L'épisode pour l'instant il a été court parce que je vais avoir coupé toutes les la 20 minutes. Après, j'ai pas galéré plus que ça, hein. Ça fait que 40 minutes que j'ai lancé. J'ai passé 20-25 minutes avant d'y arriver, donc ça va. Retourne au mausolée, du coup, maintenant que tu as le souvenir. Ah. Dans le main, tu pouvais te transformer. Ouais, je crois, je me rappelle vite fait. Je crois pas, Guillaume. Non, non, non. Déjà, du cross-gen entre PS4 et PS5, c'est pas tout le temps. Mais alors, du cross-platform, c'est... Non. Derrière toi, meilleure zone de farm. Comment ça, derrière moi? Là, là. Ça. Non, je ne crois pas. J'ai envie d'aller voir parce que j'avais fait le mi-tour, là. On ira voir. Mais pour on me dit d'aller voir... Bah, attends, je suis où là? En tout cas, patar unique, ouais. Voilà quoi. Et pour eux, du coup, le spell, tu l'as pas vu? Le spell. Putain, je croyais qu'il était parti. L'espèce de nuage noir, il a aucune utilité. Parce que même pas. Tu vois, enfin, tu fais un nuage noir, c'est censé te dissimuler. Sauf que les mobs tapent dedans. Et le nuage il fait 1 mètre carré. Et si tu sors du nuage, bah t'es plus dans le nuage. Donc je comprends pas l'intérêt. Après, peut-être que sur des petits mobs de merde ça marche. Mais en tout cas, sur le genre ça marchait pas. Et du coup, je vais faire quoi ici pour moi? Tu m'avais parlé d'une porte. Mais je sais pas si c'est lié. Ah bah si, bah, elle est ouverte. Ok. Mais tu peux pas filer du. Tu peux pas donner des armes, je crois pas, hein. Ah non, mais c'est deux doigts géants. Ils ont un problème avec les doigts. Qu'est-ce que c'est, cette horreur? Putain. Toucher les deux doigts. Extase. Poro, ça me rappelle. Attends, où c'est que j'ai eu le.
Ah oui. Guillaume et Natas, vous êtes retourné voir le premier marchand qui est habillé en mode Père Noël? Parce qu'il te donne une emote et il te dit de... Je sais plus si c'est claquement de doigts, c'est quoi? Claquement de doigts, je crois. Il te dit d'aller faire ça là où il y a les loups qui hurlent. Tant que j'y pense, si ça peut vous servir. J'y suis pas allé encore. Hein. À l'origine de l'hurlement des loups, je crois, et tu fais ça, il y a peut-être un mob qui sort, je ne sais pas. Tu déposes son équipement dans le monde, il me semble que ça marche. Ah ouais? L'incantation sacrée. Ah mais t'as pas le PNJ, maybe plus tard. Bah j'ai que le premier PNJ là qui est là, là. Qui est devant les spells basiques et les quelques premiers sorts que j'ai débloqués. D'ailleurs j'espère que j'ai pas fait de bêtises en lui donnant les bouquins à lui. Parce que je me rappelle que sur Demon's Souls même, le remake, t'avais des PNJ magiques et t'avais pas accès à toutes les magies tout de suite. Hein. Bref. Are you the Newton Noel? Enya. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers. J'avais pas tilté Guillaume, hein. Envoys to the greater will. Avec l'emote? Look there. What? The fingers tremble. To Putain, mais c'est welcome you, horrible. Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring. Root of the Golden Order. Anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Bizarre. Well, on lui a donné là? Remembrance of God. Demigods and even the crater are hewn by the Earth Tree upon their end into remembrances. Après, anneau, doigts, cellier, j'imagine. Après, j'ai que deux potions d'Atas. Hein. Pour l'instant, je n'utilise pas les autres items. The power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well. Mais. Castolo! La force des doigts. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Mais ça a toujours été le cas, ouais, parce que ça me dit rien, Natas. Hein. Ah. Ah non, mais je crois qu'elle aime dire le placement de la prochaine. And so grace was it. The greater will has tarnished. Indeed, the demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted, the runt of the litter. À extraire les pouvoirs de leur homonyme. Un seul pouvoir peut être extrait de chaque souvenir. Donc là, en gros, j'ai soit une hache, soit un truc chelou. En tous les cas, ça me sert à rien. Celui-ci est peut-être le moins éclaté. Il n'y a que ces deux trucs. Si vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que du coup, si je prends par exemple ça là. Parce que si je pouvais avoir une magie, j'aurais préféré, mais bon, si j'ai le choc entre ces deux trucs, je prends les points.
Dans tous les Souls, ouais, bah, c'est bon à savoir du coup. Amélioration, moi je suis en plus, je sais plus. Va au mausolée avant. Avant? Pourquoi ça sert à autre chose? Je comprends pas le rire. Cache rien. Putain, il y a des mecs qui s'amusent à monter sur les meubles. Ok! Attends. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais faire un truc, je sais plus. I don't remember. Je voulais pas faire ça déjà, PTPR. Attends, mais je voulais faire quoi? Je sais plus. Ah si, je voulais regarder mes fioles, je sais combien. J'ai 7 fioles et elles sont à plus 2, je crois. On va pas vérifier. Si. Du coup, ouais, je disais que ça, j'allais l'enlever. Ouais, c'est bien la fiole de soie en premier. Après, je sais pas ce que je pourrais mettre pour m'aider à part ça, peut-être. Mais bon, ça c'est pour une autre fois, ou enchanter des trucs. Pour jeter des trucs. J'ai quand même pas mal de graisse, ouais. T'as même des trucs jetables, je crois. Ah non, enduit rapidement l'arme. Ah, je crois que c'était pour jeter, du coup. À cordon, j'avais pas compris. Comme il y avait un cordon, je pensais que c'était pour utiliser comme une fronde. Parce que même pour le heal, il y a... Ouais. Déjà, attends, oui, ici, je sais ce que je vais faire, si je vais changer de tenue. Là. On va mettre la tenue de base. Et le meilleur casque du game. Merci. Là, j'en trouve mon perso. Tu as trouvé les sortes de tortues avec une grosse cloche. Ah oui! Si, je me rappelle où c'est. Si, c'est bon pour vous. Bonjour, Yami. Mais attends, mais. Poro, t'es vraiment une petite. Comment t'es censé le savoir ça? Je peux pas m'y TP direct, je crois. Je crois que j'avais un peu farmé pour lui acheter ses clés à lui. Ouais, donc. Dupliquer les cendres, ouais. Il a quand même des trucs qui peuvent se dépanner, ouais ça va. Allez, let's go. Je te le dis, qu'il faut un souvenir. Oui, non, mais d'accord, mais... Ok, pour... Du coup, c'est que t'en as un par zone, c'est ça? Oui, donc du coup, tu peux avoir les deux trucs en une run. En vrai, je pense que je vais les garder... Enfin... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un PNJ caché qui peut vous apprendre un sort avec les âmes des boss? Et pour autant, t'es sûr que là, je suis pas en train de faire la mauvaise fin à cause de toi? Ça me paraît bizarre, hein. Pour eux. Est-ce que tu sais s'il n'y a pas une conséquence Ça, j'en sais rien. Oh putain. Je trouve ça bizarre dans une game de pouvoir dupliquer. Bon, si j'ai une mauvaise fin, c'est à cause de pour eux, ok? Ça va où déjà? Je sais plus. Ça y est, tu me fais paniquer. Pour oh, j'ai mon truc. C'est dans le premier anglais, je crois, en plus. Hein. Beurre le type. Hein. Non, c'est où? Pour oh, Lulu. Tu m'as... Ah non, c'est bon, c'est là. J'ai rien dit. Tout va bien. Ça sert juste à ça. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de PNJ, il n'y a pas de... Je vais quand même les garder parce que le point et l'âge, ça me sert à rien. Après, le point aurait pu être fun vu qu'il faut de la foi pour le manipuler, mais ça peut pas être pire que le patard unique. Je vais vous montrer la puissance du patard unique, hein, vous êtes pas prêts.
Je vous le dis. Bon. Tu n'as pas le talisman qui up 4 ou 5 stats. Non. J'ai même pas le talisman de résistance au feu que pour A. Ah, je sais pas où il était. Je l'ai raté. J'ai. Enfin, c'est quoi que t'appelles talisman, c'est ça? Ouais. Non, j'ai. Je mets endurance et PV pour l'instant. Let's go. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me faire défoncer? Ah d'accord. Après c'est considéré comme des revenants peut-être. Donc ils sont sûrement vulnérables. Mais regardez la porte. La portée quoi. Okay. Ça dépend vraiment du mob. Ça dépend du mob. Okay. Parce qu'au boss, je lui faisais du 50. Hein. Là je fais du 101. Je fais deux fois plus de dégâts quasiment. What the fuck. Le troisième de la ligne 1. Ah ça? Mais augmente les dégâts subis. J'ai déjà pas de PV, Natas. Après, augmente les dégâts reçus, c'est-à-dire... Moi, j'ose pas l'équiper, ce truc. Hein. Et j'avais même pas dit que ça transforme, enfin, que ça augmentait littéralement tes stats. Parce qu'en vrai, si je l'équipe, j'ai juste à monter 1 en force et 1 en dextérité, je peux équiper la faux. Augmente les dégâts subis. Mais je meurs déjà en deux coups pour... à la place de l'endurance, j'imagine. Non, attends, regardez quand même un peu de PV. Donc là, si je prends deux levels, techniquement, je pourrais équiper la faux au lieu de ça, là. Ça serait plus intéressant. Bon, on verra. Et puis au pire, si je peux pas, enfin, si c'est pas rentable, j'enlèverai, puis tant pis pour les deux points que j'aurais gaspillés. En force et dextérité. Parce qu'avec ça, je vais jamais faire de dégâts. Hein. Je peux déclencher le saignement, mais je fais pas de dégâts. Aussi, quand même. C'est bon, c'est des bombes de merde aussi. Ah, je trouve que c'est décevant. Après, là, t'attaques vite à deux mains, ouais. Je sais pas. Je trouve ça un peu naze. Puis t'as pas de portée. Bon. On verra. Il y a le mec qui est en PLS. À cause du taf ou. Du coup, alors attendez, je voulais voir autre chose. Il y a beaucoup de choses à voir. Les loups, ils sont faciles à trouver, je sais plus. Enfin, je sais pas. C'est pas que je sais plus, c'est que je sais pas. C'était au nord d'I... Non, peut-être plus ici. Sinon, on va retourner dans le château, voir si on, je peux pas accéder au bout du... Au bout du pont. Hein. Comment tu sais d'où ça vient? Ah mais c'est là? Attends, je tue les loups d'abord, pour être tranquille. Putain, j'avais même pas tilté que ça faisait une espèce de tornade. Et tu peux toucher que le canasson, s'il te plaît. Et le canasson, pas moi. Je meurs maintenant. C'était quoi? C'était là? Au secours. Pas sur le bon pixel. J'ai pas assez fait attention. C'était où? Crip gastro, là. Tu partais de faire des combos démoniaques? J'ai pas été assez attentif. Ou alors faut pas tuer les loups, j'en sais rien. Attends, on va revenir. J'ai pas fait assez attention. Tu travailles pas le samedi à Yamé? Profiter de tes... Faut te reposer, hein. Faut que je repère bien où est l'espèce de tornade de mort.
C'est là, non? Vous pouvez me laisser claquer les doigts ou comment ça marche là? Ou alors j'ai rien compris au truc. Il m'attaque en fait. Calmez-vous les gars. Putain, j'arrive à tuer des loups, c'est trop bien, je trouve. Ça se trouve, faut pas les tuer. Et... Mais putain, mais je déteste ces créatures de merde. C'était plus là, là? Ou j'ai rien compris, on verra plus tard. Pour moi, c'était là. Hein. Bon. Après, je sais pas si je veux changer de stat. Je me suis quand même habitué à ma magie. Bon, je sais pas. Je... Pour moi, je vois une espèce de tornade ici. Ça fait rien. Je... On verra plus tard. Je me spoil l'emplacement exact parce que. Nope. Je voulais voir ce qu'il y avait là. Parce que j'y étais même pas allé du coup. Je vais encore de mettre un marqueur en spamant croix. Je déteste ma vie. Tu peux t'enlever? Merci. Putain, je peux pas prendre le choix, mais je peux pas passer là. Chaque fois que tu mettais un point, t'avais l'impression de jouer ta vie. Après, il y avait ça dans Dark Souls 3, mais il fallait ramener un item, je crois. Donc je m'étais arrêté là. J'ai peur. Adieu, monde cruel. Je peux toujours pas invoquer mon dada. Putain, mais non, mais... Il est tout seul ou pas? J'ai même pas le temps de m'approcher avant qu'ils... Ils sont deux! Minimum deux. T'as réuni ton action. Bah il prend des dégâts mais c'est qu'il y a 1 milliard de PV. Bon, c'est quoi? Je suis mage. Enfin je suis... Incantateur, comment on peut dire. Est-ce que je vais réussir à le toucher? Putain, il y a un archer derrière. Merde, je suis pas sur le bon truc. Ah, il tire sur ses copains. Ça, c'est cool. Ah! Il tire pas que sur ses copains. Non! Pousse! Même technique qu'avec le loup. Oh yeah. J'arrive à le toucher. Yes. Faut me casser les reins en fait. Si vous êtes au courant. Non. Tu vois l'attaque venir et que t'as lancé un spell. Trop grand, mais j'ai pas mon cheval. Vous trichez. Putain, mais la portée, je vois même pas l'attaque venir. De toute façon, je suis un fou, j'utilise ma magie en plein temps. J'ai crevé, j'ai plus d'escape. Oh, secours! J'étais pas prêt pour ça. Mais putain, j'ai vu le truc venir. Bon. Oula, il a pas pris beaucoup de dégâts lui. Est-ce que c'est une porte magique? Oh putain, magique mon cul. Ah! C'est bon, il me touche pas, je sais pas comment il me touche pas. Là, tu peux pas tirer à l'infini par contre, ça c'est sûr. Pourquoi ça fait. Le pied fait. Il prend moins de dégâts au pied? Ouais, non, c'est pareil, il prend pas de dégâts. Normalement, ça dépasse les 300. Je suis un peu déçu là. Ah, bah attends, il a un pied. Il a un pied faible? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est là où il s'allume, j'en sais rien. J'ai qu'un plein un pot là. C'est
inflammable. Ah! J'ai pas le temps de lire le chat en fait. Ça suffit. Oh non, il vient par passer là. C'est une porte magique, monsieur. J'espère. C'est une porte à moitié magique. Déjà, si on en tue un, on y verra plus clair. Oh, mais please! Mais please! Arrête! Porte magique! T'as pas le droit. Non, c'est pas une porte magique du tout! Putain, Nick. Je vais crever, j'ai plus de. Ah, d'accord. Il me fait mal en tombant. Je sais pas, je suis mort de quoi, mais ok. Chelou. Au pire, rush. Rush, j'ai pas de cheval. Il faut que je rush quoi? Le boss commence par R. Attends, j'avais quand même 800 âmes là. Je rigole pas avec ça. Merci. Déjà, la météo est meilleure. Ça va forcément mieux se passer. Ou pas, il pleut toujours. Je peux pas appeler mon cheval. Je peux même pas invoquer la méduse pour faire diversion. Je pourrais peut-être invoquer Poro pour faire diversion, mais bon, il veut pas m'aider. Donc... ouais, mais ils ont des points faibles aux poignets et aux chevilles un peu. C'est un peu bizarre. Je peux pas passer là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Michel? Je suis encore à corps. Putain, la portée. Ça me fume. Non, mais il se ramène les autres. What? On a changé de jeu? Je suis dans Portal? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Natas. Attends, quoi? Ah d'accord, ça m'a TP de l'autre côté du pont, ok. Ok. Par contre, ça m'a... Ouais, ça m'a TP... Je reviens comment? Avec une TP, du coup. De toute façon, j'ai... Le patard unique avec moi pour me protéger. La meilleure arme du game. Après, ça se trouve, quand j'aurai 70 en fois, je fais super mal. C'est très... cosmique. Je sais pas comment dire. Hé ! Attends, j'avais pas vu que c'était un bouton. Pourquoi il y a des bouts de drap qui plament ? Je vais où? Au moins Natas. Bah, c'est la seule solution pour faire des dégâts avec cette arme, je pense. Bon, j'avais pas prévu de monter. Ok. Ça, c'est pour rappeler l'ascenseur peut-être. Touchons la grâce. Pourquoi il y a des corbeaux, je sais pas quoi. Une
majeur. Ça va où ce truc? Augmente tous les attributs. C'est-à-dire. Y'a rien qui a augmenté là. Je comprends pas. Pour activer une rune, il faut utiliser un arc runique. Faut arrêter d'inventer des trucs au fur et à mesure que je joue. Merci. Un arc runique. Pour moi, j'ai 30 enfoirés. Est-ce que je peux utiliser un arc runique avec 30 enfoirés? Bon, j'ai pas envie de me TP, j'ai envie de voir ce qu'il y avait quand même de l'autre côté du pont. Il y a peut-être un objet qui traîne. On va checker ça. Mais de quoi tu parles? Équipe-toi de la rune. Comment ça, équipe-toi de la rune? Pourquoi t'es juste... Je sais pas de quoi tu parles. Équipe-toi de la rune. What are you talking about, please? De quoi tu me parles d'équiper une rune, là? C'est pas l'équivalent d'établissement, je sais pas de quoi tu parles pour moi. On va redescendre. Attends, mais il y avait... Ouais, la TP, ça change rien. On va reprendre l'ascenseur, trop bien. Fais gaffe, mais je pense pas qu'il y avait des raccourcis parce que c'est quand même loin des bords. C'est quoi ces trucs noirs qui tombent là? Chelou. Ok. La zone est chelou. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des flux bizarres partout? Faut attendre au moins de voir la tortue pour dupliquer. Je comprends rien à ce que vous dites. Je crois que je vais rien faire du tout. Je sais pas ce que je vais faire. Mais... J'ai pipé. Ah mais c'est un ennemi, putain, je crois que c'est un oiseau. Normal. Il a pas d'épée. Il va être encore plus casse-cou. Jean-Michel, tu casses les reins. Il est pire que les autres, je pense pas que c'est possible. Et je fais comment avec mon patard unique? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oh putain, tu casses les reins. Tout ça c'est des... Non mais ça c'est... Il est normal lui. JPP. Du coup maintenant je vais avoir peur dès que je croise un oiseau. Ils sont normaux, bah on les tue, allez hop, cassez-vous. Et... Lui il est pas normal. Lui. Voilà, si j'arrive à les toucher, ça va un peu mieux. Mais respectez-moi et mourrez pour l'affront que m'a fait vos... Putain. Pattes de volaille. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? D'accord.
Après, est-ce que ça augmente l'ésotérisme ou est-ce que ça augmente juste la découverte? Je pense pas que ça augmente l'ésotérisme. J'en sais rien. Mais est-ce que c'est utile pour looter un truc précis sur un mob précis, j'imagine? Ok. Ouh, j'ai failli rater ça. Ça aurait été fort dommage. De rater 5 plumes. Ok. Bon. C'est une technique, Ayami. Des pattes de volaille pour se gratter. Fiole, ça a changé au niveau des sorts. J'hésite à enlever le... Oh, quoique, elle est pas très gourmande. Ça, je m'en servirai jamais, ça. C'est pareil que t'as le coup de queue, mais... trop gourmand. On va remettre ça au cas où. Rune majeure. Dans le menu rune majeure, vous pouvez équiper des runes majeures. Donc les pouvoirs ont été restaurés. Utilisez un arc runique pour amplifier les pouvoirs des runes majeures équipées. Pourquoi ça change rien? Je comprends rien. En plus pour lui, il me dit du caca. On peut avoir une description. Augmente tous les attributs. Pourquoi ça m'a rien augmenté? Je comprends même pas. 18, 18, 18, 15, 15. Mais putain, mais... Dites pas que ça augmente les attributs, ça fait rien. Qu'est-ce que... Faut l'activer avec un arc runique. Putain, ton arc runique. C'est quoi un arc runique? Ou pour dire... Je vais aller me coucher. C'est quoi un arc runique? J'ai pas d'arc runique. C'est une arme? C'est un item? C'est qui disait... Stop m'embrouiller. Putain, j'ai de l'eau bénite, incroyable. Enfin, je peux fabriquer de l'eau bénite. Je suis pas dans le bon menu depuis tout à l'heure. Hein. J'ai envie de crever. Du coton doux. Ok. Super. Arc runique. Mais... Qu'est-ce qu'un arc runique? Mais attends, mais... C'est temporaire? Je comprends rien. Je comprends pas, j'ai pas envie de... Va acheter l'arc long. Putain. Ah! Attends. Donc là, si je l'utilise, je gagne une stat partout? Je comprends pas. Si tu meurs, il répète les bonus. Bah, me dis pas, mais. Putain, je crois que c'était un gain de stat bonus définitif. Bah, d'accord, merci, mais. Non, merci. Actif, tu verras. Bah, non. Qu'est-ce que. Je vais pas l'activer pour crever comme une merde. Laisse tomber. Du coup, on va peut-être arrêter là. L'épisode, il ressemble à rien, JPP. Bon, je suis à 1h17, mais bon, si je coupe les tentatives caca, ça fera moins d'une heure, normalement. Profitons de la belle lumière pour se quitter là.
Donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode, à la prochaine pour la suite. On ira voir ce qu'il y avait après le vilain Godric. See you next time. Ciao.